Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne meurt chaque 6,5 secondes du tabagisme. Au Gabon, malgré les efforts des associations et ONG, le combat contre le tabagisme est encore loin d'être gagné, surtout chez les jeunes. L'État, dans ses missions régaliennes, doit protéger les populations en général, les jeunes en particulier, contre les fléaux, les pandémies, y compris la pandémie du tabagisme. On vous l'a dit, 8 millions de morts chaque année dues à la pandémie du tabagisme. Et parmi ces 8 millions, plus de la moitié, sinon 80%, proviennent des pays sous-développés, des pays pauvres. Parmi les stratégies de dissuasion proposées par la société civile dans le sens de la lutte contre le tabagisme, il y a le prix de la cigarette. On sait qu'aujourd'hui, si les jeunes ont facilement accès au tabac, notamment la cigarette, c'est parce que c'est relativement moins cher. Le prix de la cigarette est un élément, n'est-ce pas, très important qui permet de réguler la consommation. Une journée qui a été également l'occasion de faire le lien entre le tabac et le nouveau coronavirus. Le tabagisme est non seulement un facteur de risque, parce qu'on sait très bien ce que la COVID fait au niveau des poumons, mais en même temps, dans une société communautaire comme la nôtre, on sait que les bâtons de cigarettes, les paquets de cigarettes se partagent d'un individu à un autre, pouvant donc augmenter les capacités de propagation de la COVID-19 dans notre pays. Lutter efficacement contre le tabagisme, c'est également agir pour l'accompagnement des personnes victimes du tabac. C'est dans ce sens que le docteur Louma et les siens viennent de mettre en place une structure destinée à la prise en charge de cette catégorie de victimes du tabagisme.